Kaiser von Karstein. Bonsoir à toutes et à tous. Je vous retrouve sur Warhammer Total War avec une nouvelle série, avec la Gasconie, une des provinces du célèbre royaume de Bretagne. Donc c'est officiel, c'est lancé. La campagne est officiellement lancée, oui, je le répète. Mais donc on va voir un petit peu un esprit un peu plus particulier avec cette faction. Donc après les contes vampires, bah, la Gasconie avec un personnage spécial nommé la fée enchanteresse. Donc je voulais un petit peu le descriptif. La Gasconie. Du sommet de sa tour de Gasconie, la fée enchanteresse surveille la Bretonnie. En tant que porte-parole de la Dame du Lac, ses actions sont mues par la volonté de la déesse. C'est elle qui invoque les ducs à la défense du royaume et qui s'élance au combat à leur côté, sa magie protégeant les chevaliers et frappant les ennemis parfois en les éliminant d'un seul regard tueur. Chevalerie. En accomplissant des exploits nobles, les ducs bretonniens bénéficieront de bonus puissants. Économie paysanne. Cultiver ou se battre, les paysans forment le pilier financier et militaire de la Bretonnie. Armée composée d'unités à cheval, une cavalerie d'escarmouches rapides et une cavalerie de choc en armure lourde. Donc le défi initial est normal, comme vous le voyez, donc, avec les magnifiques affrontements qu'il y a avec le bon au cœur de la mêlée, contre les contes vampires, enfin tout ce qui est mort-vivant, et l'apparition du légendaire chevalier de Sinop, qui pourrait être intéressant aussi. Donc c'est parti. Alors là, voici notre chef de faction, donc la fée enchanteresse, la belle et jolie fée. Donc alors, elle est enchanteresse suprême, maître du domaine de la vie, ce qui est bien. Elle dispose de la capacité spéciale brume de la dame. Alors elle a image de la dame, plus 5 de paysans disponibles pour la faction, ça c'est intéressant. Entretien considérablement réduit pour le chevalier du Graal, donc ça c'est cool. Et taux de reconstitution des victimes plus 15%, bon, ça va être sympa. Unité de départ en plus, pèlerin de bataille, gardien du Graal et un trébuchet de terrain béni. Donc on va jouer en difficile, hein, comme vous le voyez. Alors le contexte, donc ça on l'avait vu. Hop. Où est-ce qu'on voit les conditions de victoire? Bon, au pire je vous les montrerai sur le champ de bataille, enfin sur la map de campagne, c'est parti. La guerre vient-elle frapper la belle Bretonnie? Les ducs ne peuvent plus rester les bras croisés. Il est temps que la fleur de Bretonnie s'épanouisse et révèle ses épines. Je me présente devant sa cour avec des connaissances qui pourraient aider cette guerre sainte. Comme les compagnons du Graal d'antan, les duchés de Bretonnie s'uniront sous la bannière de leur roi. À nos lances et aux lames bénies. L'heure est à la chevalerie et à la grandeur. L'heure du sang et de la bataille a sonné. Et voici l'intro de la Bretonnie. Vous avez sûrement reconnu. Je suis ravi de vous faire une campagne dessus. J'en rêvais un petit peu de la Bretonnie. On va se lancer dans cette belle campagne, à mon avis. On verra ce que ça donne. Et franchement, les artworks, c'est vraiment du beau boulot quand même. Hein. Ils ont bien respecté le lore de ce que je vois. Ils ont fait un beau boulot graphisme dessus. Bénédiction sur vous et vos terres, sage fée enchanteresse. De sombres nuages grondent à l'étranger. Votre royaume est en péril et a besoin de votre force. Les elfes d'Athel-Loren ont fait preuve d'audace ces derniers temps. Leur désir d'expansion les pousse à s'aventurer hors des limites de la forêt. Tenez leur tête. Les peaux vertes pullulent dans les montagnes voisines. Ils s'en prennent comme jamais aux nains entêtés. Faites preuve de prudence. Vous ne voudriez pas voir leur fléau souiller les terres bretonniennes. Sur le littoral, les mercenaires de Tilé vendent leurs épées aux plus offrants. Ces hommes-là préfèrent l'or à la loyauté.
Méfiez-vous d'eux. Le féroce seigneur des bêtes, Khazrak, erre dans les parages. Il s'est lancé en guerre et son chemin finira tôt ou tard par croiser le vôtre. Vous devez éliminer cette menace de la ruine. Mille fois bénis par la Dame du Lac, les contrées bretonniennes sont dévouées au service de leur déesse. Armez-vous de courage et marchez en son nom pour restaurer la vertu dans votre royaume. Et Seigneur, voilà. Les ducs de Bretonnie ont vécu de nombreuses années suivant le code de chevalerie. Honorez cette tradition et bâtissez votre royaume sur les fondations de Gilles le Breton pour mener les ordres de chevalerie vers la gloire. En gros, Gilles le Breton, c'est le premier haut grand roi de Bretonnie. Quoi. Et il me semble dans mes souvenirs, dans l'or, c'était aussi c'est lui, Chevalier de Sinope. Après, je ne suis pas sûr. En parlant du Chevalier de Sinope, le Chevalier légendaire, c'est lui. Il est là, donc c'est le contour qu'on peut utiliser en bas à gauche. Donc, alors, la Fée Enchanteresse possède une grande armée en Gascogne, enfin, une bonne armée, on va dire. Une armée correcte de péons. Donc, elle possède, alors, elle, un pèlerin de bataille, des hommes d'armes, des foules de paysans, des lanciers, des archers, une cavalerie du Graal et un trébuchet. Donc, la première chose que la dame a décidé de faire, c'est de virer toutes les foules paysannes. Et ouais, parce que, les paysans, ça va bien s'amuser. Hop. Elle rassemble également la Dame du Lac, enfin, la demoiselle, donc du domaine de la bête, donc pour se former son armée. Et on va construire, on va voir ce qu'elle va construire. Donc elle leur donne une construction un peu particulière, donc elle va faire une écurie. Voilà, on va avoir des unités de cavalerie. La caserne aussi va arriver au même moment. Et on va essayer de recruter. Non, pas la caserne. La caserne, non, ce sera plus tard. Donc ce qu'elle va faire, elle va recruter deux unités de lanciers, deux unités d'archers, comme ça elle va avoir une armée renforcée, et un dernier homme d'armes, comme ça tout le monde sera content. Au niveau des technologies, donc alors l'arbre est un peu plus particulier, on a le code de chevalerie, les investissements économiques, donc dans tous les cas voilà, et on pourra aussi compacter des options de confédération avec les différents royaumes bretonniens, donc Artois, Paravon, Bretonnie, Lyonnaise, Bastogne, Bordelot, unification suprême de la Bretonnie. On a aussi pour décréter des décrets donc contre certaines factions, donc la mort, le chaos, les hommes bêtes, les elfes, la menace nordique, donc tout ce qui est Norska et compagnie, les peaux vertes, donc là on va, voilà. Et ensuite on a des technologies habituelles, donc économiques et tout ce qui est construction. Donc on va partir sur le code de chevalerie et on va essayer de commencer par faire ça. Après on va faire... Non, pas les positions de la ruine, les boissures. Comme ça, on pourra découler sur les peaux vertes. Parce que je vous avoue que la Gasconie est en guerre contre les elfes sylvains. Et je pense pas que ce soit inutile de faire une guerre assez longue contre eux. Du fait qu'ils sont simplement en guerre aussi contre les hommes bêtes. Ils ont horreur des hommes bêtes. Donc voilà. Donc si on est en guerre contre les hommes bêtes, ça pourra améliorer nos relations. Et c'est ce qu'on va tenter de faire. Et je pense que la prochaine étape, ça sera l'extension vers les Stalys Latilis. Tout simplement. Donc là on peut pas faire grand chose, hein. Donc à mon avis on va voir des petits, voir si on a des visiteurs ou pas. Ah oui, un édit. Donc les édits en Bretonnie sont différents cette fois. Donc on a vénéré la dame, royaume de chevalerie, prélevé les impôts, enfin la dîme, patrouille approfondie et le devoir du paysan. Donc vu que la Bretonnie est en construction, autant booster la croissance. Plus il y aura de croissance, plus vite les bâtiments pourront être construits. Et on a la barre de Bretonnie, donc on a différents niveaux, comme vous le voyez, au niveau de la chevalerie. Donc 0, 200, noble, 200, 400, 600, 700. Et la victoire, la condition de victoire ultime, ça serait de voir 1000 de chevalerie. Donc par la conquête et par les technologies et différents moyens. Donc là, pour le moment, la Gasconie passe le tour. La bénédiction de la dame aura lieu. On va voir si elle mène les hommes à la victoire. Terre de peau verte aussi. Votre peuple vit dans la peur, car le mal sévit en Belle-Bretonne. Les peaux vertes qui infestent les montagnes et forêts harcèlent et pillent les villages alentours avec une violence décuplée. Ils se rassemblent à présent sur les collines, et le peuple craint qu'ils n'envahissent en plus grand nombre encore. Par conséquent, le contrôle diminue à travers les terres. Résistez si vous pensez que le royaume est encore assez fort, dans l'espoir qu'ils finiront par se fatiguer ou retourneront dans leur tanière, ou mener une force afin d'étruire leur colonie et de mettre un terme à leur assaut et de les éliminer pour nous.
Donc pendant 20 tours, on aura des incursions de pourvers. Donc il faudra jouer un peu défensif hein, pour le début de la campagne, à mon avis, et essayer de les repousser. On a aussi rencontré les hommes bêtes. Donc là, ils sont chers avec Kazrak le Borgne. Donc là, l'armée, on la renforce. Tac. On va essayer vite de bâtir le château et l'écurie. Ah bah, quand on parle du loup. Donc là, j'ai cru voir que les relations avec l'elfe Sylvain se sont améliorées avec la dame. Donc là, il pisse, c'est logique. Gasconi, ok. Donc oui, ça s'améliore, hein. Tranquillement. Et je vais éviter... Je vais voir si je peux faire un raté de pénal. Non. Il n'a pas envie. Et bah, moi, j'ai envie de vous dire... La dame du lac, on vient l'embêter sur cette terre. La dame du lac va la rendre compte de la menace. Kazrak. Voilà. En plus, la dame du lac a sérieux avantages par ses troupes. Donc, Kazrak est ici. Terre de Gore, donc... avec l'armée que la dame... Enfin, la Ferchantresse possède, pardon. Ça devrait aller. Donc, on y va. Première bataille. Ouverture de la campagne officielle. Je crois que j'ai déjà fait un petit... Je crois que je l'avais fait cette bataille-là, oui. Faudra juste faire attention au centre avec le centre, les fantassins sur les flancs, les archers perchés, les archers et potentiellement des... Et les dames vont soutenir la magie. Lanceur de sorts, fait enchantresse. La puissance qu'elle manie sur le champ de bataille des nations. En tout cas, là, les personnages féminins, ça c'est cool qu'ils sont introduits maintenant. Donc là, on a 7 devants de magie, on va tenter de parier hein, pour essayer de gagner un peu plus. Est-ce que la dame va réussir à gagner? Et elle réussit. La bénédiction de la dame est présente. Nos réserves de magie ont triplé. Donc alors, le plan. On va reculer. On va laisser les hommes bêtes venir à nous. Enfin, on va laisser les hommes bêtes venir à la dame. Donc hop, on va mettre les archers en première ligne. En mode escarmouche pour éviter qu'il se fasse charger. Sur les flancs, on va mettre deux régiments de péons. Hop, et là les deux autres régiments. Le trébuchet, il se met là. Les deux dames, vous allez au centre pour soutenir l'armée. Et la cavalerie, on va la clasher dans la forêt. La bataille est lancée. Donc là, vous voyez, le trébuchet, il a une longue portée. Il va viser le premier régiment ici. Donc voilà, c'est parti. En plus, c'est un trébuchet de terrain béni, s'il vous plaît. La dame a béni ces trébuchets. Regardez-moi ça. Regardez. Ça brille. Feu. Alors, qui c'est qui va se prendre un caillou? Un beau caillou? Il n'est pas beau, mon caillou? Allez, hop, il y en a déjà trois de moins. Je vais peut-être tenter de cibler les minoteurs avec le trébuchet parce que je vous avoue que hein, ça risque de faire bobo. Un minoteur en fou furieux dans une armée, vous savez des colosses comme ça hein, qui sont neufs. En plus tu pues mon pote mais... Wow. Donc là j'ai commencé à activer la cavalerie. Ouh, ah, il y en a qui a pris un caillou dans la figure et ça lui a pas, ça l'a pas trop plu, je m'étonne. Oh, là, alors là, le minoteur, là, ça s'est bien visé. Alors là, les archers font feu sur les hardes de Gore. Vous le voyez, ça commence à tomber vite. Donc, ce que va faire la fée enchanteresse, là, elle voit que ça arrive. Donc, elle va activer ça, elle va faire des dégâts magiques. Elle va tenter de faire des dégâts sur ce qui va passer. Voilà, c'est bien. Donc là, c'est bien. Là, vous allez tenir. Lancier, tenez la ligne. Oula, là, les minoteurs, ils vont charger sur le côté. Faut faire attention.
Ça, c'est dangereux. Vous, vous chargez là. Vous, vous flanquez là. Là, on va tenter de les encercler. Kazrak, il faut s'en occuper aussi parce qu'il est assez dangereux. Hop, la cavalerie, elle va agir sur le dos de l'eau des archers. Les premières batailles sont toujours les plus difficiles, le fait de rentrer dans le bas tout simplement. Donc là les minoteurs ils commencent, ils ont perdu beaucoup de points de vie, ça c'est bien. Donc là pour moi la principale menace c'est le minoteur. Après faut pas que j'oublie Kazrak aussi qui peut être un héros assez légendaire au corps à corps comme vous savez. Parce que là il est en train de s'en sortir mais... Donc, hop. Madame, vous allez rentrer en mêlée. Vous allez me faire des dégâts magiques ici. Regardez-moi ça. Hop, une explosion magique. Donc là, tout le monde s'enfuit. Tout le monde se bat. Les chevaliers bretonniers, ils sont arrivés au bon moment. C'est bien. Les chevaliers du grade vont revenir dans le dos de l'ennemi. Oh là, ils sont beaux avec leurs épées. Wow. La charge était lancée. C'est parti. Allez, on moissonne l'infanterie. Bonjour, nous sommes les chevaliers bretonniens avec l'âme de l'ennemi. On est là pour vous accompagner dans la mort. Allez, hop, c'est gagné. Donc là, ce qu'on va essayer de faire, c'est d'accélérer déjà la bataille, première chose. Essayer d'anéantir un maximum d'adversaires. Donc là... pas besoin d'accès, pas besoin de faire ça. Hop. Le but ça serait d'abattre Kazrak je pense. Enfin, si j'arrive à le trouver. Donc là il est un petit peu aux prises, donc là il va être blessé je pense. On va dire au trébuchet de cesser le feu parce que voilà, ça pique. Le seigneur ennemi est blessé. Beau travail. Kazrak est blessé. Et il les empêchera de venir pendant un certain temps. Je pense que c'est bon, la bataille est gagnée, la dame du lac remporte sa première victoire contre Kazrak le Borgne. Et c'est une victoire décisive. Donc la dame de la fée enchanteresse remporte sa première bataille contre le seigneur Ombed Kazrak le Borgne. Pas beaucoup de pertes, elle gagne une bague d'obsidienne, donc ce qui est très bien. Elle passe au rang supérieur au niveau 2. Et elle décide d'exécuter les prisonniers Ombed parce qu'ils sont pas beaux et pas purs. Elle a la capacité fléau bestial, donc... plus 10 de chevalerie et elle provoque la peur maintenant. Elle obtient la bague d'obsidienne qui lui augmente sa résistance magie de 10%. Et le trait bénédiction de la dame. Donc voilà, qui va bien correspondre. Donc notre arme a la bénédiction de la dame. Donc ce qui fait que... Alors attendez, c'est où déjà? Oh, ça doit être un bonus je crois. C'est gardien du Graal, oui. Donc ici, on est parti. On va terminer... le reste des hommes bêtes, hein, clairement. Voilà. Ils sont venus. Ils sont pas passés. Voilà. On exécute tous les prisonniers. C'est magnifique. Un sorcier rejoint Marie Beaumont, que vous pouvez, je pourrais renommer si vous le souhaitez en votre nom. Et on va lui donner incarnation de Wissan améliorée. Elle a aussi gagné 2 rangs. Là, je l'ai pas vu ça. On va lui mettre marcheur pour augmenter sa portée de campagne. Et elle est garant du serment du chevalier, ce qui va réduire les coûts des unités suivantes, donc chevalier rang, royaume, chevalier Pégase. Voilà, ça c'est bien. Donc là on voit que leur public c'est pas la joie malheureusement. Donc ce qu'on va essayer de faire c'est, alors est-ce qu'on économiserait pas? On va économiser je pense, j'ai une idée en tête. La dame va... va faire quelque chose que vous allez comprendre avec le temps. Voilà. Bon, moins 24 d'ordre public, ça fait mal, hein, clairement, hein, vous le voyez. Là, on est à moins 15. Donc, en gros, il va falloir tenir 20 tours et repousser toutes les invasions orques. Ce que je vais essayer, ce que va essayer de faire la dame en attendant pour essayer de s'en sortir, elle va essayer de faire des packs non-agressions avec ses voisins, à commencer par Paragon, qui accepte. Bordolo serait-il intéressé également? Voilà. Donc là, deux packs d'agression avec ses voisins bretonniens du nord, c'est pas mal. Bon. Par contre, là, ça continue de s'améliorer.
Est-ce qu'un traité de paix serait envisageable? Non. Non, tu veux pas. Dommage, Orion. On aurait pu collaborer ensemble. Ensuite, donc là, il y a ce qu'il faut. Je vais pas recruter d'autres troupes parce que là, mon l'économie de paysan est au maximum et ça nous risquerait d'avoir des petits soucis. Donc là, on gagne moins 10% d'entretien pour nos troupes, ce qui est assez intéressant. Donc, on continue. Et un petit séjour en Tillet sera prévu. À voir. Nouveau. Hein. On va bâtir la ville au niveau supérieur. Et bon. La dame, la fée enchanteresse va tenter de faire une petite visite en, du côté de l'Italie avec Bilbali. Le duc Cassion de Paravon décide de faire du commerce avec la Gascogne, qui accepte. La fée enchanteresse est toujours très reconnaissante envers toute offre commerciale et tout argent qui rentre dans son porte-monnaie. Donc le code de la chevalerie est débloqué et on va débloquer le décret pour des bois plus sûrs, ce qui va augmenter la chevalerie pour chaque victoire contre les hommes bêtes, le commandement contre les hommes bêtes, les dégâts d'ici contre les hommes bêtes, mais les relations diplomatiques, ça plonge à moins 100. Bon. Finalement, la visite en Estalie ou en Tilly. En Estalie va devoir attendre un petit peu parce que d'autres problèmes plus urgents vont apparaître et vous allez comprendre pourquoi. Oh oh oh, des peaux vertes. Évidemment, pendant 20 tours, des rébellions peaux vertes vont apparaître. Donc, ce qu'il faudra, c'est les contrer et les annuler. Et voilà, ça commence, les pillages, hein. Les vilains pas beaux. Bon. Il va y avoir du sang sur les murs, en tout cas. La fée enchanteresse n'est pas contente que les pauvres arrivent. Et elle va les affronter sur le champ de bataille. La dame est sur le champ de bataille pour affronter le chef gobelin Blaskak. Il a amené une petite armée de pauvres, donc des pillards avec des araignées, des archers de cavalerie, enfin des archers sur loup, des gobelins, donc encore des gobelins. Mais bon, les vents de magie ne sont pas encore assez puissants et elle tente un coup du destin. Est-ce que ce coup du destin va payer? Oui. La bénédiction d'Adam fait effet. Hop, les troupes se placent près de ce petit village, ce petit hameau, on va dire. Les archers se mettent en première ligne aussi pour harceler l'ennemi à longue portée. La dame et la demoiselle sont ici. Le trébuchet béni prépare ses tirs. Tandis que les chevaliers du Graal vont se placer dans la forêt. Hop, le déploiement est prêt. La bataille peut commencer. Donc là, le but, ça va être de viser les archers, les gobelins sur araignée, parce que voilà, c'est chiant. Les trébuchets continuent. Hey, première salve. Qui c'est qui va prendre? Les araignées, les gobelins, les deux. Allez, hop. Déjà deux araignées de crabouillés. Allez, hop. Ah, les gobelins, ils se sont dit, mais qu'est-ce qu'on fait là? Qu'est-ce qu'on fait là? Pourquoi on est arrivé là? Oula, la cavalerie bretonne, il faudra calmer. Il la voit pas quand même. Ah bah. Ah, celle-là, elle était touchée, je proteste, monsieur. Donc là, le corps d'infanterie gobelin décide de foncer contre les lignes de la dame. Donc la cavalerie bretonne va sortir du bois. Tandis que certains lanciers vont se mettre en position pour recevoir les potentiels cavaliers qui sortiraient. Et les archers bretonniens font pleuvoir la mort sur les gobelins qui s'approchent. Donc voilà, ils se prennent tout. Allez, les gobelins qui sont exterminés par le trébuchet et avant d'arriver, bah, ça va fuir. Regardez. Là, ce qu'il faut essayer de faire, c'est que la cavalerie et l'ancien combiné vont tenter d'intercepter l'adversaire.
Les gobelins sont tellement faibles qu'ils sont décident de courir la queue entre les jambes et faire demi-tour. L'infanterie décide de charger sa ligne. La dame, pour le moment, n'a pas eu besoin d'utiliser sa magie, ce qui l'arrange. Mais là, elle va commencer à essayer de faire quelque chose sur l'ennemi. Voilà. Hop, les archers gobelins sont fait éliminer. Donc là, les cavaliers et les lanciers dans les bois ont bloqué les araignées. Ce qui fait que là, les araignées sont complètement sur end. Tandis que les lanciers essaient d'intercepter les archers sur nous, mais ce qui est assez compliqué du fait de leur mobilité et de leur vitesse. Les péons avancent. Le pauvre Glassback est en train de se battre contre des hommes d'armes. Il est complètement entouré. Les archers ont vu que Glassback décide de se sauver. Bon, un pauvre bretonnier se prend des volées de flèches. Pendant ce temps, les araignées, hop, on peut rien faire. Il faut que là, on va essayer d'anéantir ces araignées parce que les araignées sont vulnérables. Le poison des araignées est tellement maléfique. Voilà. La vitesse des loups est trop importante pour que les chevaliers puissent tenter de les rattraper. Comme vous le constatez, la vitesse est de 75 ici, tandis que là, elle est de 92. Donc la première rébellion pourverte menée par Glassback a été matée par la fée enchanteresse et sa vaillante armée de soldats. C'est une victoire décisive. La fée enchanteresse a remporté une éclatante victoire contre les armées pourvertes menées par Glassback. Elle gagne une épée de bataille dans cette bataille pour ses hauts faits d'armes et elle décide d'exécuter les prisonniers pourvertes. La chevalerie continue de grandir en Bretonnie avec des victoires décisives. Mais elle décide de ne pas en rester là. En effet, elle veut pas que ces rebelles orques continuent de saisir ses terres et pourchasse l'armée et anéantit son armée. La victoire est éclatante et les rebelles menés par Blasphème ne sont plus qu'un souvenir pour l'instant. La sorcière du village décide de rejoindre la forteresse pour discuter. Le général Blasphème est définitivement éliminé. Et pour le moment, le calme revient en Gascogne. Toutefois, les intentions hostiles des elfes ne sont pas encore calmées et un traité diplomatique va être tenté pour essayer de calmer tout cela. Malheureusement, le roi Orion refuse toujours la paix pour des raisons qui sont inconnues encore. Mais pour essayer de se pallier à cela, elle va tenter un traité commercial avec le duc Albéric de Bordelot. Est-ce que cela va marcher ? Le traité commercial est accepté, Albéric décide d'échanger des ressources avec elle. Enfin, le calme est à l'heure en Gascogne pour le moment, mais combien de rébellions pourvertes peuvent encore arriver et casser toute discorde dans son territoire. Le serment de la quête est évoqué également par la dame enchanteresse. Elle décide de faire cela pour que les chevaliers de la quête qui viennent battre à ses côtés ne coûte quasiment plus rien. Mais elle voit encore plus loin. En effet, elle décide de prononcer le serment du Graal pour que les grands chevaliers viennent la rejoindre, à savoir les chevaliers du Graal, les chevaliers à Pégase royaux ou encore les hippogriffes royaux dans l'armée. Elle décide ensuite de rentrer à Bordelot, Elle décide de rentrer en Gascogne et voir ce qui va se passer. La prochaine cible de guerre serait-elle l'Estalie ou faut-il attendre que les rébellions pouvaient continuer d'arriver et détruire toutes ses armées? Le choix est assez difficile. La demoiselle Bête, elle, continue de faire ses preuves au combat et décide d'acquérir le cœur sauvage pour avoir plus de magie en pleine bataille. Les armées sont au maximum actuellement et elles ne peuvent pas recruter davantage parce que sinon les récoltes en Bretonnie seraient affectées et cela serait une conséquence catastrophique pour l'économie du pays. Les hommes bêtes n'existent plus pour le moment, mais ils reviendront certainement. Une autre rébellion est sur le point d'éclater. En effet, les pauvres sont toujours là, bien décidés à massacrer les adversaires.
et les hommes. La guerre est déclarée entre les Stalis et les hommes bêtes. Apparemment, les hommes bêtes sont toujours là et décident d'attaquer les Stalis. Ce qui pourrait être une opportunité pour la dame du fait de profiter de ces conflits. Mais quel est le destin de la Gasconie? Nous le saurons au prochain épisode. C'était Kaiser Van Kerschen de Planète Total War. Je vous retrouve très vite pour de nouvelles aventures sur YouTube avec le let's play La Bénédiction de la Dame. Au revoir les amis.